Le porte-avions Charles de Gaulle a fait une entrée réussie au bassin Vauban le 8 février 2017. Il faut savoir que la position de ce navire de guerre posé sur ses trois lignes de tin dans un bassin à sec, ça n'est pas une situation naturelle. Par conséquent, il faut le relier à une cinquantaine de flexibles d'aspiration et de refoulement pour l'alimenter en eau de mer pour que ses installations continuent de fonctionner. Une quinzaine de plongeurs de Naval Group ont effectué ces raccordements. Le bassin a ensuite été totalement vidangé, à l'issue de quoi les échafaudages ont pu être dressés pour débuter les travaux de bassin. Parmi ces travaux, les plus dimensionnants sont ceux effectués sur la ligne propulsive, avec notamment la dépose des hélices et des tronçons de ligne d'armes. Ce sont les équipes toulonnaises de Naval Group, spécialisées dans la mécanique de l'appareil propulsif, qui ont procédé à la dépose des deux hélices, à l'aide des palans pneumatiques accrochés à des pitons soudés sur la coque du navire. L'hélice a été retirée de son logement, millimètre par millimètre, laissant apparaître le pas de vis au bout du cône de la ligne d'armes. L'hélice a ensuite été fixée sur un basculeur, un équipement de manutention conçu spécifiquement pour permettre de faire basculer l'hélice de sa position verticale à une position horizontale pour faciliter sa visite. L'hélice fait 20 tonnes et a un diamètre de 6 mètres. Le poids est important, donc le plus impressionnant finalement, c'est de faire sortir cette hélice-là en passant à côté du safran bâbord. C'est ce qui est le plus impressionnant, donc c'est les dimensions liées à l'opération. Ouais. La dépose des hélices est un prérequis pour la sortie des lignes d'armes. Le porte-avions est doté de deux lignes d'armes, la ligne d'armes tribord, longue de 125 mètres, reliée à son réducteur dans la machine avant, et la ligne d'armes bâbord, d'une longueur de 75 mètres, donc plus courte, liée à la machine arrière. Naval Group a procédé à la dépose des deux premiers tronçons de ces lignes d'armes. La manœuvre a été particulièrement délicate, car ces tronçons étaient suspendus à une quinzaine de palans pneumatiques qui eux-mêmes étaient fixés sur la carène du navire. Les tronçons ont été transportés à la suite dans les ateliers de Ruel pour y être contrôlés. À l'issue de ces travaux, il a fallu retirer tous les pitons de manutention fixés à la coque. Vous voyez derrière moi les équipes de charpentiers tauliers qui sont en train de procéder aux dernières opérations avant la mise en eau du bassin, qui consiste à supprimer ce qu'on appelle les pitons de manutention. Ce sont des anneaux qui ont été soudés à la coque pour permettre la réalisation des principales manutentions lourdes qui ont dû avoir lieu pour la réparation du navire. Enfin, les travaux de bassin, ce sont aussi le remplacement de plusieurs dizaines de mètres carrés de tôle bordée, les travaux de carénage de la coque avec notamment le décapage du trao de pression, l'application de peinture anti-fouling sur les œuvres vives, de peinture grise sur les œuvres mortes, sans oublier les nombreux travaux sur les orifices de coque. Un des gros chantiers de cette refonte à mi-vie du porte-avions a été la réfection peinture de ce qu'on appelle les œuvres vives et les œuvres mortes du bateau. Donc c'est tout simplement la coque, donc la partie œuvre vive, c'est la partie immergée de la coque, et les parties œuvres mortes, c'est la partie émergée de cette coque. Donc ça représente environ 10 000 m² de peinture pour la partie œuvre vive et près de 20 000 pour la partie œuvre morte. Les travaux ont consisté au décapage complet de ces œuvres vives et à la réapplication d'un système de peinture complet neuf. L'ensemble de ces opérations, que ce soit en termes de poids, de mesure, de quantité, de complexité, ont tout simplement été hors normes. Retrouvez l'épilogue de cette aventure dans notre prochain épisode.